Ok. J'ai la tête qui va péter. Hein. Et donc là, mes gants, l'intérêt, c'est que... C'est ça, en fait, si je vais très très loin en fureur, il faut que je monte en fait en fureur. Et là, la déchirure, en fait, faut qu'elle va faire très très mal parce qu'elle est en max roll. Là, le but du jeu, c'est de mettre des déchirures qui vont déchirer les meubles, littéralement. Donc ça, c'est pas activé, ça c'est normal. Par contre, j'ai perdu le stun, ça c'est dommage. Mais je peux donc regraver, on l'a dit. Je peux regraver le coup de chance. Donc je vais. Ici. Là, le but du jeu, c'est d'aller regraver le coup de chance, mais donc sur l'anneau. Si j'ai bien compris, hein. Donc l'attaque. Objet. Hop. L'aspect, j'ai rien du tout, quoi, attendez. Vous infligez, non, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, c'est pas ça. Grave l'aspect codex. Tuer une cible. Vous avez 30% de chance de gagner 20 fureurs lorsque. Oh! Mais non, mais ça, c'est trop bien, ça. Attendez, coup de chance. Vous avez 30% de chance de gagner 20 points de fureur lorsque les chureurs infligent des dégâts directs. Ah, au moins une. Ah, ça, c'est trop bien, ça. Le problème, c'est qu'il faut que je mette ça. Ouais, c'est au minimum, mais c'est trop bien. Ok. Donc, tac. Mais attends, ça, c'est actif. Ça, c'est mon unique. Ça, c'est actif pour la bulle. Ouais. C'est lui qui est pas ouf en vrai. Je m'en bats les couilles un peu de la. Changement d'arme. Je pense que j'ai changé lui. Ou sur l'arme, en fait. Attendez. Sur l'arme, je peux mettre. C'était quoi, on a dit? C'était le. Ouais, non, je l'ai pas, ça. Non, c'est pas sur l'arme que je peux le mettre. Les jambières, peut-être, alors. Et sur les jambières. Non, je l'ai pas. C'est quoi comme truc? Attendez. C'est un truc d'anneau? On n'était pas à 2035 points de chaîne tout à l'heure. Si, mais c'est calendaire, papayou, les subs. Alors, petite explication, les subs. Est-ce que tu connais? Peut-être pas. Ok. Si demain, tiens, papayou, imagine, tu donnes 10 points de chaîne, tu donnes 10 subs le matin. Parce qu'on, c'est pas les points de chaîne, hein, c'est les points de sub. Pas pareil. Tu donnes 10 subs le matin tout de suite. Ok? Ces 10 subs, ils vaudront du 12 juin à 16h37 jusqu'au 12 juillet à 16h37. Au 12 juillet à 16h38, ces 10 points de chaîne ne seront plus comptés dans mon total de points de chaîne. Ils fluctueront le nombre de points de chaîne en fonction des subs, des gift subs, des subs. Par... Admettons qu'il y ait 10 personnes qui se subent tout court là en T1, là maintenant. Si elles ne renouvellent pas leur sub, donc le 12 juillet à 16h38, eh bien tu repars. Tes points de chaîne, ils sont toujours fluctuants. Des points de sub, putain. Les points de sub toujours fluctuants, ils sont sur 30 jours glissants. Je sais pas si c'est clair ou pas. Et donc en fait, c'est sur les gants. Ah oui, c'est ça, c'est un truc comme ça. Attendez. Ça va, Lou? T'as fait une petite sieste? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est pas une. C'est ça, aspect d'animé. Ah, ça pète que sur les anneaux, donc putain. T'es pensé. C'était une jauge en ligne pendant ce bâton. Ah non, c'est une jauge qui est bête. Ok, regarde, tu vas voir, c'est tout bête. En fait, regarde, toi, c'est ici. C'est Twitch en fait, en temps normal. Donc j'ai 1654 abonnés, 2025 points d'abonnés. La jauge, c'est juste que c'est un visuel pour vous faire comprendre avec les paliers. C'était pour faire débloquer les paliers de PC. Mais elle est basée en fait sur mes points d'abonnés sur Twitch. Pareil, hein, donc ils sont ici. Voilà. Donc, tu vois là, ici, les points d'abonnés sont une résultante du nombre de T1, T2 et T3. Les points d'abonnés étant variables selon le tiers de votre sub. Plus votre tiers de sub est haut, plus ça rapporte de points d'abonnés, plus ça soutient la chaîne et plus forcément aussi ça vous coûte. Voilà. Bah, moi, je vais voir, parce que le sub-bâton se termine dans 26 minutes. Donc, on verra si poursuit ou pas, j'en sais rien. Mais si ce. T'as dit quoi? Petit champagne dans la piscine. S'il se termine bel et bien dans 26 minutes, pour le coup, je ferai une petite pause, une bonne pause de 25 minutes, 30 minutes, et j'irai profiter de la piscine. Et s'il continue, ben on continue pour l'instant. Velez! Merde. Donc c'est l'anneau. La question étant, qu'est-ce qui est le mieux entre un truc qui a une chance, comme je saigne, de faire plus de dégâts, ou là, la maîtrise d'armes? Non, ça c'est quand même pas mal. Bon, on va enlever le stun, c'est pas grave. On va pas avoir le stun, c'est pas grave. Ouais, ok. T'as dit quoi, Lou? Oh, je cherche une petite enceinte.
Alors, niveau 19, 17. J'ai fait quoi? J'ai fait une 7 tout à l'heure. Bon, pour le 7, je suis très très large. Oh, temps de recharge réduit à chaque victime. Allez, c'est parti. Conclave, palier 8. Ah, j'y suis jamais allé, tiens. Ah, oh, nouveau donjon, trop bien. J'aime bien nouveau donjon. Oui, depuis là. Et merci Matsu Monaito qui participe à l'ultime subathon de la chaîne. Je rappelle qu'il se finisse ou non, ça sera le dernier subathon de la chaîne. Il n'y en aura plus jamais sur la chaîne parce que je suis vieux. Merci beaucoup Matsu Monaito donc, qui offre son premier et son deuxième sub offert qui sont pour Bankai et Yuko Esso. Et pour le coup, tu rajoutes 6 minutes au timer du subathon. Vivra, vivra pas, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, je le répète autant de fois qu'il le faudra. Merci, parce que c'est déjà exceptionnel ce que vous avez accompli. Un petit streamer comme moi. Merci beaucoup. Et mes tickers. Monture, pas de monture. Ah oui, au cas où, Matsu Monaito. Ah oui, merde. Ah, j'ai pas vu, j'ai pas tilté. J'ai pas la monture. Je n'ai pas la monture au cas où. Hein. Parce que c'est vrai que je le tilte quand c'est deux personnes qui lâchent deux subs d'un coup. Au cas où, Matsu, si c'était pour la monture, je suis désolé, je n'ai pas la monture. Et sache au cas où que tu peux te faire refund les subs. Si c'était pour la monture, vous pouvez vous faire refund les subs par Twitch. Ils ont installé ça il y a un petit moment maintenant déjà. N'hésitez surtout pas, je le prends absolument pas mal, j'ai pas la monture, si vous vouliez payer un truc pour la monture. Voilà. C'est bien normal. Effectivement. Donc, direction le donjon. Le donjon. Le donjon. Sous que le caldéum. Continue d'avancer. Donc direction, premier donjon, T8 pour moi. Enfin, premier donjon niveau 8, en solo. C'est ma première fois. J'espère que vous irez doucement. Alors uniquement ça, on s'en fout. On va faire une petite cave avant, tiens. Alors parfait, on va pas en voir un peu ce que ça donne. Mais non. Enfin, j'arrive à rien faire là, c'est terrible. Mais... Ah mais j'ai pas vu, elles sont résistantes aux dégâts. Et t'as, j'oublie deux secondes qu'il y a cette aura à la con. Viens là toi. Viens là toi. Fumez ta gueule. Voilà. Allez, vous allez moins rigoler maintenant. Là. Il se TP dans tous les sens, c'est l'enfer. Bon, je leur fais des dégâts monstrueux, clairement. Les dégâts sont insane. Par contre, la petite distance au secours quoi. Putain. Ah ouais, c'est une infamie là. Et je me fais kiter dans tous les sens. Quel enfer. Ah putain, et en plus elle a rip-up l'autre connasse. Je comprends pas. Vampirique. Je te baise. Putain, je te baise. Mais je me fais tout shot en fait. Y a un truc dans cette. Les caves, c'est. No joke, hein, les caves parfois je trouve plus dur que les donjons. Y'a des caves, c'est super chaud. On est d'accord, hein, je suis pas dingue. Hein, c'est. Putain, mais. Patate que je prends. Alors je leur fais mal mais je les trichote le bordel mais... On est ouf les filles quoi. En plus elles me full kite, c'est insupportable. Welcome to the cake world. Ah ouais le. Parce que je les détruisais les succubes. Le succube. Parce que je détruisais le succube. Putain. C'est dur ça. Ça a été la plus grande révélation qu'on a eue. Le succube, c'est dur. Hein. Non, c'est un succube. Non, non, Papy Miv, on a vérifié. C'est un succube. Tu pensais aussi que c'était un incube, mais non, c'est bel et bien un succube. Voilà. Vas-y. Ah.
Alors en gros, donc un incube existe, mais pourquoi on dit un succube? Buffalo me dit parce qu'on dit un démon, donc c'est aussi un succube. Là, j'ai été checké sur Google. Après. Bah. L'usage l'emporte, quoi. Est-ce qu'on fait pas ce qu'on veut et... Mais non. Ça me rappelle un viewer. Aïe aïe aïe. Pour la petite anecdote en fait, j'ai un viewer un jour, Yas, si t'es là, je sais que t'as un... Pas s'il est là, délicace. Qui m'a sorti... Oh putain, je me fais éclater. Qui m'a sorti qu'il avait peur de vivre près de la mer à cause des tsunamis. Alors, sauf que les tsunamis dans le Var, c'est compliqué. Non mais c'est une erreur, papa. Non, j'ai pas vu. Elle est pas contente parfois. C'est chaud ce... Les événements en solo là, c'est... Il y a presque que Joe, il est quand même fait pour jouer avec des copains. Hein. Oh non! Ah mais c'est débile par contre. Ouais non mais c'est débile, je vais pas un truc. Tu es nous on l'a sendu, bah je peux pas. Allez, elle a fait une énorme sieste et là elle est partie à la piscine. Et moi je vous rejoins ou non, je pense que je vais y aller. Je vous rejoins ou non si ce bâton se termine ou non. Donc on regarde tsunami. Oui mais non mais je sais mais c'est une erreur. Et en gros il y a eu une erreur, il y a eu un. Une alerte tsunami dans le Var, mais il peut pas y avoir tsunami dans le Var, la Méditerranée elle bouge pas. Donc y a pas, c'est pour ça que quand j'avais un vu, en fait en gros parce que j'avais une maison. Ok, j'avais une maison à Bandol dans le Var, donc c'est collé à la mer, mais sur les falaises. Résultat, enfin sur les hauteurs. Résultat, enfin déjà même s'il y avait un tsunami globalement, là c'est. Bah c'est, alors pour le coup un tsunami ça monte pas à 100 mètres de hauteur, c'est 30 mètres à peu près les vagues. Ça, que globalement j'étais à 100 mètres d'hauteur, c'est que si moi j'étais sous l'eau, il y avait un gros problème en France. Il y avait un gros problème en France. Et donc, voilà, c'était parti en fait de ça. Et donc Nat est venue en parler parce qu'elle a vu qu'il y avait une alerte tsunami dans le Var, mais donc il y a été une erreur parce qu'il ne peut pas y avoir de tsunami dans le Var. C'est tout le twist. Il y aurait eu, je crois que c'était ça, en moins 5000, je crois, un tsunami pour le coup en Méditerranée il y a donc 7000 ans. Il y aurait eu. Je sais même plus si c'était factuel ou. Je sais plus si c'était une spéculation ou un fait dans. Sur la page wiki, il faudrait que je recheck. Où il y a 1500 avant JC ou 5000 avant JC, je sais plus. Tsunami, mer, Méditerranée. Bon alors après les trucs sur les dernières années, 5000 ans. Bon bah les coups c'est pas, je trouve plus. Si un kaiju pop au milieu de la Méditerranée, on sait jamais. Hein. Ah bah ça tombe bien, on a les robots. Une canicule fin mai, y'a pas de problème en France sur la Terre après tout. Hein. Ah non mais attention, j'ai pas dit que... Non mais je dis pas le contraire, la Fonky, je dis pas qu'il y en aura non plus jamais mais... Globalement, s'il y a un tsunami avec des vagues de plus de 100 mètres de hauteur, je crois que le tsunami monstrueux de 2004, c'était genre 30 mètres, et c'est déjà débile. Enfin, 30 mètres, c'est... On se rend pas compte de ce que c'est 30 mètres, hein, mais c'est genre 10 étages, un truc comme ça, je crois. C'est immense. C'est déjà colossal. C'est beaucoup, quoi. C'est légitime, Max. Effectivement, je vais pas paniquer. Enfin, les plaques tectoniques, du coup les tsunamis viennent les plaques tectoniques ici sont quand même un peu rapides.
Alors, tu es qu'un liste pour sanctuaire de conduction. Ah. Ça fait pas de dégâts là, c'est trop chelou. C'est de la merde mon truc d'éclair. Ah si, j'ai besoin de tuer. Tout ça va. Ça a mis un peu de temps à se lancer. Mais ça va. C'est un peu insupportable les mobs qui se TP. En fait! Putain! Oh mon dieu! Ouais! Les mobs qui se TP, c'est très très relou dans mon cas là. Non, non, pas du tout. Non, non, Dafonki, tu t'abuses. Tu dis je ne l'abuse, tu t'abuses. Mon build tank, il est quand je joue avec les copains. Non, je suis en mode de pur saignement, zéro tankiness là pour le coup. Je les éclate les mobs. Le problème, c'est pas de les. Le problème, c'est pas de les toucher, les enfin, les tuer les mobs, c'est de les atteindre. Comme je me fais kiter comme un connard. Et merci beaucoup Carlitium. Ah tu sais qu'attends, avec un, je sais pas ce que ça donnait avec un Rise of the 3, on va voir. Merci beaucoup en tout cas Carlitium pour le 8ème mois d'abonnement en niveau 3. Je crois que t'es un nouveau T3 Carlitium, je sais pas de conneries. Enfin t'es pas un nouveau viewer mais vraiment je crois pas que t'étais en T3 avant. Ou alors j'ai raté un truc. J'ai un doute, on va vérifier. Revenu. Ah si t'étais déjà en T3, bah écoute je suis désolé. My bad. Sorry. Merci beaucoup en tout cas donc pour le nouveau mois de T3. En même temps, vous êtes. Avant, je les connaissais par cœur les T3, maintenant il y en a 70, donc c'est vrai que c'est plus dur. C'est plus dur quand même, hein, quand il y en a 70. C'est vrai. Mais le problème, c'est quand ils se sont faits en 2 semaines, c'est plus dur. Ça arrive d'un coup, toi, c'est en un mois, quoi. Enfin, il n'y a qu'un mois. J'ai besoin de les voir un peu se renouveler. M'en rappeler. Ah, c'est bien ça. Pas de soucis. Hein. Donc t'étais bien dans certains points avec Arithium, c'est bien ça. Bah écoute, oh putain. Bah en fait ce build là, je sais pas hein, finalement il était peut-être mieux dans l'ancien build là. Peut-être que le build coup de grâce était mieux en fait. Hein. En fait. Hein. Finalement, plutôt que le build de méta c'est bon. Hein, c'est pour jouer des builds méta là. Parce qu'en fait là ça marche pas ça. Deuxième mois ça marche, ok. Ah c'est ton deuxième en T3, ok. Eh ben on va re. On n'est plus à une rose pépé, à une rose pépé, pépé. Oh Buffalo! Oh Buffalo! Mais non! Attends. Ah, c'était avec ton autre compte! C'était avec. Si t'as déjà offert des subs sur la chaîne, mais c'était avec Crêpe Salée. Ah oui, oui, c'est vrai, Buffalo. C'est ça, c'est Buffalo. 10, il a mis une demi-heure! Le sub à ton survie! Il va être tranquille à la piscine, let's go! Buffalo qui lâche 10 subs, un total de 11 subs sur la chaîne qui permet à Yoko Hiro, King Rockwick, Medetong, Medet... Ah bah parfait, Medetong. Numeria, Oranor, Cher, Pitcho, Donaldo, Daoud Jeffel, Day, Slit 6 de rejoindre la team. Et merci également à Kalar, c'est reparti. Merci beaucoup Kalar qui offre ses 5 premiers subs sur la chaîne et qui permet à Ulfrig, bien acquis, ah c'est pas mal, bien acquis. Faelen, Komako et Seratna. Vous avez rejeté. Oh, on est repassé. On était à 18 minutes et on repasse au-dessus de l'heure restante pour le sabaton. Tu as trahi l'aspect tourbi. J'aime pas le tourbi. Coucou le Montartin, mais j'ai jamais aimé les tourbis. Je sais que c'est méta, mes couilles autres. Je peux pas blairer les tourbis. Ça m'emmerde plus au point le spin twin. Ok, on va re-spé. On va repartir. En vrai, l'autre spé, au moins, ce qui est bien, en plus, qu'elle est rigolote. Elle est vraiment pas banale. Donc, saignement ici. Ok. Ici, je joue rien. Ici, je joue rien. Étant donné que mon spender, ça va être le coup de grâce. Donc, on prend ça. Non, parce que je suis full fureur, donc je m'en bats les couilles. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien, ni personne. Harley Davidson. Tac, tac. Ok. Donc, on va chercher le coup de grâce. Ça, c'est oui. Il me faudra d'ailleurs un truc coup de grâce. Ah, il massacre. Attends, massacre d'ailleurs. Elle a pas genre des points en plus sur le coup de grâce hein. Parce que j'ai vu une arme sur les chaînes, il croit qu'elle faisait plus 6 sur le skill. Donc ça... ça fait des choses. Ok.
Il me faut par contre le saignement pour... Non, ça, je m'en fous, en fait. Oui, non, ça, je m'en bats les couilles, au final. Et là, j'avais un ulti, par contre. Ouais, c'est ça. Là, j'avais l'ulti. Tac, tac, tac. Ok. Alors, oh grand Dieu. Casque reçu. Tu mets une petite photo, là, en screenshot. Je suis curieux de voir. Je connais déjà ta tronche, hein, tu l'as déjà montré. De toute façon, tu stream, donc bon. Bonjour, Fouliquet. Merci, en tout cas, Buffalo, donc, pour les 10 subs. Et merci à Kalar pour les 5 subs. Le sabaton est en vie. Merci à vous de le maintenir. Le coup de grâce, ça va là. Le cri, ça va là. Ça va là. Galva. J'ai oublié la Galva. La Galva, c'est indispensable. On est repassé à une heure. Il y a Pierre qui a mis 10 subs. C'était pas un sub une minute. Ah bah non, quand même pas. Non, je suis gentil. C'est un sub 3 minutes. Point d'exclamation, sub à ton cas là. Non, un sub une minute. Alors, il y a les streamers qui le font, mais je les comprends parce qu'ils sont genre énormes. Ils ont genre 100 000 viewers. Donc en fait, sinon, ils feraient 1000 ans de stream, tu vois. Enfin. Donc je comprends, tu as par exemple Pestilai, quand il fait un sub-bâton, c'est un sub 30 secondes. Mais il fait des pics à 250 000 viewers sur Tarkov, donc... Ouais, bah il fait... la dernière fois, il a fait un mois. et en plus, il faisait un mois un peu plus vénère que moi. Je crois qu'il dormait 5 heures par nuit, toute la nuit. Il a fait un mois, ouais. Ah bah oui, c'est beaucoup. Il a pas par contre des pics à 200 000 subs, mais des pics à 200 000 viewers sur Tarkov. En fait, c'est quand il y a les phases de drop. En gros, généralement, quand sur Tarkov, quand ils font un wipe, ils font aussi des drops. Et donc, c'est les pics. Et Pestilai est le numéro 1 mondial de Tarkov. Ouais, moi, je suis Keblo, moi. Buffalo, il troll. Alors... Non, donc, Kalar, toi, on va avec tes 5 subs, t'as rajouté 15 minutes. Et merci beaucoup à toi. L'ulti. Bah, l'ulti sur le saignement, c'est un peu nul, le résultat. Attendez. L'ulti, résultat. Parce que là, mon saignement... C'est une cible, c'est un giga... Ouais, le montant, le saignement, mais c'est nul, je m'en fous de ça, en fait. Faut que je prenne l'arsenal, en vrai. Faut que je prenne l'arsenal. Sauf que non, c'est nul l'arsenal parce que je joue toujours avec la même arme. Je sais pas ce que... Barrage du berserker en vrai. Hein. Non, barrage du berserker, hein, c'est ça. Hein. Et je me demande si l'ulti courroux du berserker, ça serait pas mieux en vrai. Question d'ailleurs le chat. Là, je veux bien du backseat. Si sur les diamants, j'ai 13% de dégâts de compétence, mais que ma courroux du berserker fait pas de dégâts purs et durs, ça sert à rien les diamants. Les diamants donc ne marchent que si je fais du dégât. Vous savez quoi, on va prendre l'appel des anciens, on va le tester pour une fois. On va prendre l'appel des anciens, on va peut-être modifier les petits trucs. Alors attendez. Non, c'est pas celui-là que je veux changer. Non plus. Il n'y a pas un truc qui me file. Il me semblait qu'il y avait un cri qui me filait la colère de la rage du berserker. Ah, peut-être pas, hein. Attendez. Rage du berserker, on va voir. Bah non, oui mais non, ah oui je peux choisir, oui mais bon, ça marche pas quoi. Il me faut le saignement obligatoirement. Il me faut le saignement parce que c'est via le saignement que j'ai l'aspect, donc non. Ici non plus. Ah là. Ouais mais non, j'ai rien pour le faire proc. Compétence de combat. Ah si. Lorsque compétence de combat inflige des dégâts à au moins une cible ennemie, t'as une compétence de combat. Ah ouais mais merde. Ah mais non, ça marche pas parce que je peux pas en fait. Putain, il me faut une... Ou alors faut que j'ai une compétence de PQ. Attends. Puissant cri augmente vos dégâts, 21%. Ou alors je joue pas avec le cri ici. Je joue pas avec le cri ici et je joue avec un truc qui tape. Ah ouais, le coup de pied comme ça, je les dégage. Puis on va essayer de jouer au coup de pied, tiens. Et là, je peux prendre. Un. Si vous poussez au coup de pied, c'est ce que... Non, je ne souhaite pas consommer ma fureur, je veux bien ça par contre. Ok. Ok, alors. Ouais, mais résultat, je pense que si je veux y aller un petit peu... Ah merde. Attendez, hop. Pourquoi j'ai pas de points ? Oh putain.
On va essayer comme ça. Je teste complètement des trucs. Hein. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si c'est bien ou pas. Je teste des choses. Ah non, j'avais pas vu. Merde, si coup de grâce, affligé les gars, au moins une cible, vous tenez les fers à Berserker pendant 3 secondes. Ah bah non, mais je l'ai là, la barrage Berserker. Oh putain, faut tout changer. Oh punaise. On reste sur mon truc. Ah, faut tout changer, putain. Fuck. Fuck. C'est comme ça que j'ai la rage du Berserker, je l'ai ici. Et donc, j'ai pas besoin de la courroux, je peux bien essayer de l'appel des anciens. Ok. Putain, il faut que je sois en grand là aussi. Alors. Alors. Donc. Ça, on est bon. J'ai ma fente. Ma fente fait mon saignement. Mon saignement, j'en ai besoin pour ça. Voilà, chaque fois que j'ai fait un saignement, je fais le choix qu'il arrive avec mon auto-attaque. Donc ça, ça marche. Ça, ça stun avec le saignement, c'est trop bien. Ça, je change un peu d'arme. Je changerai pas d'arme, donc en fait, ça, c'est nul. Faut que je le change. Quand j'aurai des jambières, je changerai très bien. Ça, c'est la maîtrise d'arme, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien, c'est la maîtrise d'arme aussi. Ah non, merde, dépenser 100 points de fureur. C'est Stano qui pose problème, en fait. Il me sert à rien parce que je dépense pas ma fureur. Donc c'est cool que la maîtrise d'armes fasse plus, mais... En fait, la maîtrise d'armes, ça pourrait marcher, mais pas avec ce build, parce qu'avec ce build, là, je fais ça. Je joue avec l'unique. Ça, pareil, ça change, c'est nul. J'ai gravé ça là-dessus, moi. C'est nul à chier, je change pas d'arme. Faut que j'aille graver un autre truc pour le coup dessus. Putain, ok, bon, 16 points. Alors, résultat, là, ce qu'il me faut, c'est les armes à deux mains, là. Donc, tac. Dégâts supplémentaires, oui. Ici. Cible. Ah oui, c'est, qu'elle saigne. Oui. Non, ça, je m'en bats les couilles. Ça, juste comme elle saigne, j'inflige plus de cris. Donc, ça, c'est très, très bien. La galva, je l'ai. Le cri, je l'ai. On est bon. Là, j'ai rien. C'est parfaitement normal. Je sais pas si mon build est génial ou éclaté, mais c'est rigolo en tout cas. Je vais enfin tester l'appel des anciens, je sais pas si c'est bien ou pas. Dégâts d'accablement, augmenté lorsque vous maniez une arme à deux mains. Ouais, bof. Et là... Comme ça, on s'inflige un contendante. Ça utilise une arme, tout court, dégâts physiques. Je pense qu'il faut une force sur une arme contendante. Ouais, non, ça c'est pas bon, résultat. Donc qu'est-ce que je peux aller prendre résultat avec mes 8 derniers points? En fait, ça, dégâts de direct et compétences de maîtrise d'armes. Ça, je peux pas parce que je joue pas. Ça fait pas de dégâts. Durée des effets de cri. En vrai, ça, c'est pas mal. Hein. En vrai, mes cris qui durent plus longtemps, comme je les récupère tout le temps, c'est quand même pas mal. Hein. Là, c'est l'épine. Là, c'est les HP. Fureur, j'en bats les couilles, je serai full. Ok, on va essayer comme ça.